OK. Alors maintenant, mesure de récession gingivale. Alors, que représente la mesure de la récession gingivale? Dans le fond, c'est la partie de la racine qui est découverte. Alors, la gencive a migré vers l'apex et j'aperçois ma jonction et ma essaiment et ma racine. Alors, la façon que je viens mesurer, encore, je prends un point d'appui, soit intra ou extra-oral. Je m'en vais dans la partie où est-ce que la récession gingivale est la plus profonde, alors c'est-à-dire, supposons pour cette dent-ci, ici, et je dépose ma sonde sur le rebord de la gencive marginale jusqu'à ma jonction émail-sément. Alors, je prends la mesure du rebord marginal jusqu'à la jonction émail-sément. Alors, ici, ça me donne 4 mm. Alors, je viendrai inscrire au dossier que cette récession gingivale ou buccale mesure 4 mm, tout simplement. Voilà.